Salut tout le monde, c'est Jack Tersonis. Donc on recommence dans la grotte de la gargouille. Parce que... Donc j'avais oublié d'y aller à la fin de la dernière session. Problème... Bah dis donc. J'y suis retourné. Après, j'avais fait l'enregistrement. Mais je sais pas pourquoi, l'enregistrement de ma voix a apparemment buggé ou j'ai dû le supprimer sans faire gaffe. Et donc du coup j'ai pas pu vous le mettre à la fin, c'est pour ça aussi que j'ai oublié de mettre l'outro. Donc, il n'y avait rien de forcément super intéressant, il y avait 10 000 pièces d'or. Ah bon, ça peut être intéressant si on est vraiment fauché, mais bon, comme vous voyez, c'est vrai que j'y joue genre une fois par semaine, donc j'ai rapidement pas mal de sous avec toutes les maisons que j'ai achetées. Mais c'est quand même assez rare de tomber à court de thunes dans le jeu. Donc, on avait fini avec toutes les quêtes secondaires, j'ai récupéré la Daichi. Au niveau potion, tout ça, je n'en ai pas acheté des masses en fait parce que ça m'a saoulé. Et que de toute façon, les compétences intéressantes, j'ai déjà toutes montées, il y a juste la précision. Dans l'adresse, ça va peut-être augmenter pour augmenter les dégâts de mes armes. Mais voilà, globalement, je veux dire, en force, je suis à fond. Y a rien d'autre à faire de plus, je suis vraiment à fond, à fond. Trouver River, allons-y. Merde, bah dis donc. Je sais pas ce qu'il te faut, c'est à Bluestone, j'y suis allé, alors. Port de mer, ouais. Alors, on aime, comme d'habitude, hein. Ah! Pendant la précédente session, y a un mec qui m'aimait, qui s'est pointé. J'essaie d'y mettre une baffe, étant donné que ça disait pendant les temps de chargement que si on avait trop de force, quand on mettait une baffe, on pourrait risquer de tuer le mec, mais ça n'a pas marché. J'étais déçu. Allez, vas-y, il casse des caisses et tout, là, il fait tout tomber, l'autre. Il me semblait que par ici, il y avait... Et le gros tenu! Fuyons! Ouais, il me semblait que par ici on avait des nouvelles petites quêtes à la con, genre rescousse des esclaves, mais enfin, genre pas vraiment, mais toi c'est si tu m'aimes pas, ouais. Casse-toi, avant que je décide de te foutre une baffe. Alors, la maison de River, qui tranche un peu avec le reste de la ville, hein. On sent que c'est pas la crise pour tout le monde, en même temps c'est un pirate. Apparemment le mec il arrive à faire ses coups à chaque fois en ne tirant qu'une seule balle. Donc c'est un ouf, c'est le Chuck Norris des pirates. Vraiment, ce manteau ressemble à rien vu de derrière. Ça sent pièce d'or. Ah, il a enterré une partie de son trésor ici. Très bien. Hé l'ami, tu fais affaire avec River? Il est derrière. Ok, c'est comme ça. Je me pointe, on me fait... Oh, tu veux bosser avec River? Vas-y, va le rejoindre. Ok. Tu es célibataire? Je sais pas, mais... Si, je le sais en fait, je suis pas célibataire. Merde! Non! Désolé, mais j'ai une famille. J'ai même deux familles, en fait. Salut. Quoi? Bref. Hola. Salutations. Salut. J'apprécie d'avoir un peu de compagnie. Les visiteurs se font rares sur mon petit paradis côtier. Mmh. Tu as l'air de chercher quelqu'un, et à part moi... Je ne vois pas qui. Effectivement. Réfléchis deux secondes. Une célébrité comme toi ne peut rechercher que son alter ego, après tout. Ouais. Oh, pas de fausse modestie. Quiconque a échappé à la redoutable flèche et se promène tranquillement dans mon royaume ne passe pas inaperçu, enfin. C'est pas faux. Je sais même pourquoi tu es là. Aha. Tu as sûrement entendu parler de mes incroyables talents. Et tu veux que je me joigne à ta petite expédition pour contrecarrer les plans de Lucien? Ah, t'es bien formé, toi. Dis-moi si je me trompe. Non, c'est ça, oui. Mais il y a un hic.
Tu as fait plein de choses impressionnantes. Mm-hmm. Mais tu n'as encore rien fait dont je puisse vraiment profiter, tu vois? Mm-hmm. Mais attends, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi. Il y a un objet que je dois rendre à ses propriétaires dans les Marégores. Ils vivent dans un lieu charmant, appelé Cour des Ombres. Charmant, en effet. J'irai bien moi-même, mais mes relations avec eux s'avèrent plutôt complexes. Et si mes associés peuvent être utiles, la plupart ne sont pas dignes de confiance. Voilà le topo. Tu fais cette petite commission pour moi, et je t'aiderai dans ta quête de vengeance, ou de richesse, ou de je ne sais pas ce qui se passe dans ta petite tête, d'accord ? L'objet que tu dois ramener se trouve juste là. Tu vois, là. Tu vois cette petite œuvre d'art. Pourquoi ça pue la magie noire? Hein? Pourquoi c'est tout noir et rouge et que ça sent le piège? Seau noir de River, déjà. En plus, ça a une espèce de serpent ou je sais pas quoi dessus. Bien, brave petit. Reviens me voir quand tu l'auras déposé à la Cour des Ombres. A ciao. Ouais, c'est ça, à ciao. Serais-tu par hasard en train de sous-entendre que j'ai les pommettes aussi basses que ça? C'est une façon de négocier. La Cour des Ombres, ce sont eux qui ont détruit Hogwall. Il y a un grand puits au centre des Marégores, avec des tombes. C'est là qu'il réside. Sois prudent. Cette mission est plus complexe que ce qu'a dit River. Et il voulait pas habiter en bord de mer, avec des palmiers, des cocktails, d'avoir dans une noix de coco, des vahinés, non. J'aurais trippé que pour une fois, il y a un mec louche qui nous file une quête qui se passe nickel. Non, ne pas se laisser distraire, ne pas se laisser distraire. J'ai deux femmes, une fille. J'ai deux femmes, une fille. Plan 3. Je pense que si je me téléportais, ça allait plus vite, mais bon. Pour le LOLs, enfin plus ou moins, on va se taper le chemin à pied. Alors, de toute façon pour les squelettes, pour le peu de mal qu'ils peuvent faire maintenant, allez dégage. Attendez, le tromblon ce sera beaucoup plus efficace sur eux. Même mieux, l'exécuteur. Comme ça, je suis équipé full arme légendaire. Salut! Speedy Gonzales. Et il se tape entre eux, allez. Ah, cette distance-là, ça pardonne pas, c'est sûr. Enfin, bon. Oh, ça n'a pas l'air très accueillant, cette maison. Ah, mais c'est vrai qu'on peut pas y accéder, galère. Il y avait un coffre d'argent par ici. Ah. Pas mal. Non, mais oh. Toi tu es là, il croit qu'il va pouvoir me faire ça. Oh! Il a cru qu'il est pour m'électrocuter là. Mais... Le mix entre électrisé et électrocuté, yeah! D'ailleurs je ne sais plus exactement la différence entre les deux, mais il me semble qu'on dit plutôt électrisé. Promenons-nous dans les bois, pendant que les zombies sont bas. Si les zombies étaient, je les défoncerais. Waouh. Non, pas encore.
Saloperie. Retire tes mains, tu vas voir. Tiens, tiens. Allez. Saloperie de l'enfer. Non mais oh. Ah, je peux apprendre précision. Capacité, adresse, précision, et voilà. Reste plus que les sorts de volonté à la con. D'ailleurs, tant qu'à faire. Non, je peux pas là, et je peux pas là non plus. Voilà, je suis un poil plus grand, on a pu voir le gus être un petit peu plus grand. Voilà, c'est toujours le, ouais, les petites âmes perdues de madame machin. C'est peut-être pour ça qu'il y avait une Banshee cette fois-ci. C'est peut-être en rapport à ça. La Banshee qui fait apparaître cette espèce de petit démon, là. C'est peut-être en référence à ça. Je sais pas trop, moi, après... Wallé. Il y a eu le temps de me toucher, le con. Ah d'accord, c'était une tête de zombie qui roulait. Quand même pratique ce mode de visée en fait. Alors... Toc toc. Déverrouillé. Attendez juste 30 secondes, je vérifie l'état de ma batterie. Ouais c'est bon, j'ai encore 2 barres. Par contre je sais pas si ce sera la dernière session d'enregistrement ou pas. Suivant la longueur de la quête. Ou si ça s'enchaîne derrière. Oh, des pleurs. Ça me rassure moyen. Ça pleure bien en plus, hein. Ah ah! Les amoureux boîtes. Tadam. Pourquoi il y a un squelette qui tient quelque chose en l'air? Apparence riche. Vas-y, fais péter. Je vais prendre Vortex, mon dieu. Wow! C'est quoi ces trucs? Des hop de long ou quoi? Je sais pas. Putain, je me souvenais pas de ça par contre, là. Ah, une espèce de... créature de long. Maintenant, je me souviens que... On... Quand une gargouille qui fait des siennes. Je me souvenais pas qu'il y a des créatures de l'ombre ici ou quelque chose qui ressemble, qui s'y rapproche. Trésor. Ah, on peut passer. Je crois qu'il y a quelque chose devant. Chien et lui, il passe à travers les planches. C'est un ouf, hein. C'est un godin. C'est Captain Obvious. Hop. Bien. Alors. 2000 pièces. Ouais, bon. Je viens de reprendre mon endure qui passe. Ce n'est rien pour moi. Héros, vous avez des potions de santé? En tout cas, vous n'avez aucun talent. Aussi sûr que je suis en pied. Alors, où est-ce qu'il est déjà cet armoiti? Ah ok, je sais mon truc, je suis là. La 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 la. Ah, j'ai désactivé le piège. Maintenant, gargouille. Gargouille.
Et... ta gueule. Mais oh. Bon, quand même, si j'arrive à 48 gargouilles ou quelque chose comme ça, ça serait dommage de pas aller les chercher, mais bon. Ah, oh, je verrai bien. Il y a un peu de chance quand même que je m'éclate à tous les récupérer. Ça sent fiesta. Avec tout le bordel qu'elle fait, elle attire pas tous les saloperies du coin. Eh ben la vache. Pas de monstre. Bizarre ça. Ah c'est classe ça. Bon en fait ce serait plus classe avec le sceptre en entier peut-être, mais avec l'épée et tout derrière. Mais ah va aller faire ça. Ouais, je m'éclate, j'aime bien faire ça, tiens. C'est assez stylé, faut dire. Ah, d'accord. Un coup suffit. Merde! Wolverine maintenant, allez. Waouh! Bon. Allez, ça suffit. Ouais, mon trombon a l'air de bien faire mal, hein. Vous avez vu tous les coups d'épée que je dois mettre comparé au un coup de trombon que je mettais. Bon, c'est vrai que le trombon est censé faire deux fois plus de dégâts, mais voilà quoi. Bon. Géronimo! J'ai pas entendu une femme pleurer en plus. Oh putain, ça pue la merde. Madame. Je vous en prie, aidez-moi. Avec mes amis, on lisait un passage de ce très vieux livre. Et on y a découvert de drôles de formules. Il s'appelle pas Sam et machin, et le livre, c'est pas le Normanomicon à tout hasard. Et je me suis réveillée ici. Où sommes-nous? Oh, j'ai si peur. Je veux rentrer chez moi. Wow. Bonsoir. Bienvenue. Pourquoi vous ressemblez à Teresa? Bienvenue. C'est quand même, c'est du mieux, on dirait Teresa, quoi. Au niveau de la posture et tout. L'un d'entre vous porte le sceau noir. Mais vous êtes deux, ça en fait un ou une de trop. L'un de vous donnera sa jeunesse et sa beauté pour que le roi des voleurs puisse garder les siens. Hein? Voici le marché que nous proposons. Les règles doivent être respectées. Nous prendrons uniquement la personne qui porte le sceau noir. Vous devez faire votre choix. Vite! Vite. Je vous en prie, je veux juste revoir mes parents. Mais au pire, je peux pas leur défoncer la gueule, au mec. Sacrifice de jeunesse. En gardant, vous pourrez vieillir définitivement. Bon, bah tant pis, on va vieillir comme une merde. Pas de choix si on veut être gentil. Bah, il commence à hurler.
C'est déjà pas mal vieux, là, ça va pas s'arranger, hein. River a de nouveau rempli son contrat. Mais lorsque les sacrifices cesseront, nous irons le chercher. Et il le sait. Quelle générosité! Tu t'es sacrifié pour sauver une inconnue. River va donc devoir tenir sa part du marché. Y'a intérêt, je suis pas devenu une vieille merde pour rien. Et là où le tech crève en chemin. Complètement deg. Alors dans mon souvenir, elle était aveugle, mais bon. Je me souviens peut-être plus tard. Ah, le chien a bouillé, non? Ah, c'est ça, il me semblait. Où ça? Bon. Ça doit être tout en haut, j'imagine que c'est le bonus de fin de donjon, voilà. Collier en or massif, ouais, génial. Alors par contre, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que du coup on avait les yeux qui devenaient rouges. Il serait revenu bleu, j'aurais compris, étant donné que je suis quelqu'un de super gentil, machin, truc et tout, mais... Par contre aussi, comme vous pouvez le voir, les cheveux sont aussi un peu plus... font plus vieux. Je sais pas, ils ont l'air un peu plus... en bordel, en bataille, je sais pas... Bref. Marigor. Bon. Eh bien, ça c'est fait. Retournez voir River. Bon bah allez, on va faire un voyage rapide, on va pas se casser la tête. Bon, maintenant que tu trouves sa maison, ça devrait le faire, non ?